J'avoue que les câbles, on avait oublié ce que c'était avec les nouvelles manettes sans fil et tout, mais regarde, c'est super chiant. Il fait 2 mètres le câble pour la manette de GameCube. Et en fait, c'est très très chiant. C'est là qu'on se rend compte de l'évolution des technologies. Sors de la douche, hein. C'est normal que mes cheveux soient chevelus. Bon, allez, on lance, hein. De toute façon, on est là pour jouer. Ah ouais, non. Ah putain. J'avais arrêté là la dernière fois. Ah non, bah voilà, bah. Parfait. Génial. On commence bien. Oh l'enfer. J'ai même pas eu la vie du coup. Parce qu'une vie au tout début, ça c'est pas mal ça. Mais j'avoue que ce niveau, il est bien, bien stressant. J'ai failli arriver à la fin. Oh, mais... J'ai zappé le principe. Oh, mais... Putain... On va essayer de pas avoir game over. Mais sérieusement, mais quoi, mais... Ouah, je suis pas dedans, là. C'est quoi ça? Un enfer. Putain, j'ai perdu 3 vies gigabêtement. Allez, on se refait une petite beauté. Petite beauté. Je stresse déjà. Heureusement qu'il est, il est cool avec ce genre de saut. Avec même avec tous les sauts. Ouais, j'ai eu peur. Non mais attends, mais c'est pas possible. Je suis déjà en moitage. Il y a combien d'étoiles de soleil sans les pièces bleues. Enfin, je dis ça, mais est-ce que quelqu'un va pouvoir me répondre? No, c'est... Allez, redescends. J'espère qu'il redescend, en vrai. Il redescend. Ah, je vous ai vu amater le cul de Mario, hein. Arrêtez, hein. Mario, il est pris par la princesse Peach. La princesse Peach. Coucou Mehdi, ça va? J'ai... Bon, bah voilà. J'ai perdu, mec. J'ai perdu 3 ou 4 vies ultra bêtement. Mais genre, j'ai même pas... Là, j'ai sauté dans le vide, clairement. Ça va, Mehdi, ça va. Fin de semaine, ça fait du bien. Non, là, c'est bête ce que j'ai fait. Toi, ça va? Ça va mieux? T'es allé au collège aujourd'hui? Bon, ouais, je crois que... Déjà, je crois que j'ai game over. Non. Mais attends, comment ça? J'ai 2 vies. C'est quoi ce délire? Ah oui, parce que j'ai pris le champi. Ah mais j'ai... Comment on fait ça? Comment on fait ce que j'ai fait là, le tourbillon là? Yes, je suis plus malade, j'ai juste le nez bouché. Euh...
Bon, bah tant mieux. Enfin, c'est chiant d'avoir le nez bouché, mais tant mieux si t'es plus malade. Comment on fait le truc pour sauter là? Ah, fait chier. Je l'ai fait par hasard. Non, mais arrête Mario, hein! Tu arrêtes! C'est pas vrai, c'est quoi ce jeu? Bon, t'es content d'être en week-end? Moi, je suis content. Moi, je suis content. C'est pas toi qui demandais l'autre jour où était Alex? Non, c'est Elias qui demandait ça, non? Oh, oh oui. Je me rattrape un peu. Non! Non, mais c'est trop chiant. Mario time. Voilà, c'est Death time. Attends, je vais tenter un truc. Je me demande si ce serait pas mieux avec la manette pro. Oh, ça fait bizarre. Oui, sûrement. C'est moi, j'ai entendu un cerf qui critique Super Mario. Non, non, je critique pas, c'est juste que mec, je galère de ouf. C'est beaucoup mieux avec la manette pro quand même. Enfin, j'ai l'impression. Est-ce que tu te rappelles, Nether, déjà, bonjour? Est-ce que tu te rappelles comment on fait le truc, le tourbillon là? Que j'arrive pas, je l'ai fait par hasard là tout à l'heure. Je croyais que c'était plus tard qu'on pouvait le faire, du coup, je cherchais pas. Coucou Nether, comment ça va? Non, c'est moi qui ai demandé pour Alex. Hey, coucou Balistique, ça va? Ça fait plaisir de te voir ici. C'est vrai, salut. C'est toi qui demandais pour Alex. Eh ben, figure-toi que elle vient passer quelques jours chez moi la semaine prochaine. Du coup, on essaiera de faire un live à deux sur le même écran. Ça peut être cool. Ah, ça fait plaisir, Balistique, Nether et tout. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Bon, c'est la fin de semaine, quoi. Balistique et Nether, vous en êtes où dans Sunshine? Non. Ce qui est bien, c'est comment il y a le ça au début. T'as pas commencé. Ah, ok. Ouais, du coup, Alex, elle passe et on se fera, je sais pas, du Mario Kart, du Mario Party, genre de trucs, quoi. 80 étoiles sur 64. Bah, dis donc. Ah, sur 64. Ah, ok, d'accord, j'avais pas compris. Je croyais que, genre... J'ai 72 étoiles sur 30. Bon. Comment il fait? Non, mais ça va maintenant, ça va. Ça va, c'est fini maintenant. Stop. Chut. Tu arrêtes. Je parle à un animal. Il n'y a pas quelqu'un qui veut me dire comment on peut faire le... Non. Le tourbillon, là. Je l'ai fait par pur hasard tout à l'heure. Je suis mieux à la manette pro par contre, hein, je me répète, mais... Ces niveaux-là, les gars, ils sont insupportables. 80 étoiles sur 64, c'est très bien, Balistique. Tu... t'avances bien. Putain, j'ai un poil. Des poils. Arrête Mario, vraiment, mais grave. Il est insupportable. T'as 24 soleils, propre. J'en ai combien, moi? Attends, j'attends d'être sur la terre ferme, je te dis. Je crois que j'en ai à peu près pareil. J'en ai genre 25. J'en ai 26. Tu vas vite. Mais c'est pas... Et vous jouez comment? Parce que putain, là je jouais avec la manette GameCube pour faire comme à l'époque. Mais elle est bien, hein. Mais elle est coriace, hein. Du coup j'ai repris la manette pro. Tu joues au Joy-Con? Ah, ça doit être un enfer, mec. Surtout dans Mario 64. Oh. Vous avez vu l'abonnement, merde, je trouve pas les mots. L'abonnement de Amazon là, le service d'Amazon, Luna, la manette de Luna.
ressemble excessivement à ma manette Switch Pro. Genre, c'est le, j'ai l'impression que c'est le même moule, mais avec un autre habillage, quoi. En combien de temps déjà ? Je sais même pas. Combien de temps déjà quoi ? Et t'as pas vu le truc d'Amazon ? Eh bah, de toute façon, pour l'instant, c'est que aux States, mais ils l'ont annoncé hier. Je l'ai pas mis sur le Discord. Toujours est-il que c'est pour... Ah, propre. Ah, pas propre. Propre. J'ai l'ascenseur émotionnel en deux secondes. Que tu fais 64, 26 et 26 étoiles. Ah oui, que tu as fait. Ah oui. Et donc ouais, Amazon, ils sortent leur truc de jeu. Ça peut être pas mal en vrai. Ça coûte 5 balles, je crois, pour l'instant. $5. $5.99, donc 5 euros. Ou alors ce sera 5,99€. On les connaît, les Mario de merde. Et donc bref, à voir. En tout cas, il y a genre plus d'une centaine de jeux au démarrage. Ils ont des partenariats genre avec Ubisoft et tout, avec des éditeurs. Ça peut être pas mal. Et la manette a l'air cool et voilà. Bon, après c'est le genre de truc que je prendrais pas spécialement parce que j'ai déjà le Game Pass, Steam, Epic, tout ça. Après je pense que ça c'est le futur des jeux vidéo. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les services ça va être bientôt que ça. Bon, je ne veux pas vous faire bader, mais j'ai fait 64 en une nuit. Mais ouais, mais toi t'es fou, toi. Toi t'es fou. Non, t'as fait en un peu plus d'une nuit parce que t'avais déjà quelques étoiles avant la fameuse nuit. Et après, pendant cette fameuse nuit, Oh ! Non, t'as dosé. Mais en tout cas, bravo. 15 étoiles, c'est rien. Bon, ouais, mais quand même. Bon, après, c'est les 15 premières, donc ça va. En effet, c'est... Les 15 premières, c'est pas très dur. Par contre, mec, t'es vraiment un tryharder. Hein. Enfin, après, j'ai pas mis tant de temps que ça non plus. Mais je veux dire, dans Mario, les dernières étoiles, elles sont à péter des câbles. Et toi, Ballistique, tu t'en sors bien ? Après, tu vas faire Sunshine ou Galaxy ? Vous deux d'ailleurs, Nether et Baltic, vous allez faire Sunshine ou Galaxy. Je te demande pas, Mehdi, parce que je sais que tu joues pas. Mais c'est intéressant de savoir si vous allez le faire, si vous allez le faire dans l'ordre entre guillemets, ou si vous allez vous. Mais non, mais vas-y, mais là c'est moi aussi, putain. Quand je perds avec 90 pièces de rage, bah tu m'étonnes. Tu vas faire Sunshine après. Non mais comme disent mes potes, je suis hors jeu tellement je suis fort à pas mal de jeux, mais de ouf mec, enfin je sais pas comment tu fais déjà pour avoir le mental, non. Déjà la nuit moi, ah ben. Moi j'ai déjà commencé Sunshine, ah t'as, bah oui c'est vrai, ouais, je suis con putain. Comment j'ai fait? Tu sais ça à faire ou pas? Comment on fait? Bon, même erreur que tout à l'heure. Bon, au moins je gagne des champis. Cercle puis bouton d'attaque peut-être. Cercle ? C'est quoi cercle ? Cercle. Cercle avec ton joystick.
Ah oui. Alors je vais pas tenter ici. Mais juste le mec tente ses petites chorégraphies. Ah oui. Comme ça. Je perds pas trop de. C'est insupportable. Mais putain de merde. Bah voilà. Putain, j'étais en haut. En plus, je sais pas, hier, te rappelles-toi, Mehdi ? Il est toujours là, Mehdi, ou pas ? Hier, j'étais avec Mehdi sur la fin et... Non, sur le début. Sur la fin. Non, j'étais pas avec Mehdi. J'étais avec qui ? Je sais plus. Bon, enfin, bref. Et je m'en sortais. J'allais presque jusqu'à la fin. Ça, je le passais. Mais là, c'est... Bon, je crois que j'en ai marre. Après, de toute façon, il va falloir que je le fasse à un moment ou à un autre. Donc bon. Après, c'est pas hyper intéressant. Au pire, ce que je peux faire, s'il y a des trucs comme ça où je galère de ouf, eh ben, je me dis, je les garde pour la fin et je les fais tout seul dans mon coin. À moins que ça vous intéresse de me regarder faire ça. Et puis, on avance un peu. On avance un peu, quoi. Oui, je suis là. Ok. C'était avec toi ? Ouais, j'en ai marre. Franchement, j'en ai ras le cul. Hein. Quitter la Neuzo. Je sais même pas où on était. On va essayer de... Ah oui, si, c'était dans le lac. Bah pourquoi ça marche là ? Ouais bah c'est sauter et c'est sauter et cercle avec le joystick. Pourquoi je retourne là ? Parce qu'a priori je vais devoir faire le même truc là. Sauf que je serais secret du lac pollué, bah oui. En fait moi ce que j'aimerais c'est faire une autre. En fait, ce qui serait cool, c'est que les soleils soient accessibles sans... Enfin, tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, pas... Pas que en choisissant le soleil correspondant. Parce que j'essaierai pas de faire les 100 pièces. Oui. Vous avez prévu de faire quoi ce week-end ? Ah mais ça donne pas... Je suis con. Je croyais que ça donnerait des pièces jaunes. En fait, que dalle. Mais ça c'est bizarre d'ailleurs que d'un mari ou un autre soit pas pareil. Là, ça me fait chier. On fera les 100 pièces plus tard. J'ai envie d'avancer dans le jeu. Là. Si on allait au... Au parc. Oula là, c'est quoi déjà ici? Ah ça j'ai tout eu. Ah putain merde. Pas les mêmes contrôles sur la manette Switch que sur la GameCube. Le Y et le X sont pas au même endroit. Du coup ça déstabilise un peu. De regarder stream et faire mes doigts. En soi, un week-end normal.
Ça se passe, les devoirs, les cours? C'est quoi ça? Oula. Se calmer, hein. Ouais, je vous le dis, hein. Attends, mais... Comment je fais avec la manette Switch? Je peux même pas... C'est fou ça, je peux pas monter le... Waouh. Toi tranquille, au calme. Allez. La baisse, regarde. Lâche-moi toi un peu. Hein. Lâche-moi la grappe. Putain, parce que là, faut que j'essaie de faire un truc là. J'ai un problème. Je peux pas monter le jet. Comment je fais? Sur la manette, il suffit juste de... Non, mais c'est très chiant si je dois faire ça. Attends. Sur la manette. Bah oui, sur la manette, là, je peux faire ça comme ça. La manette GameCube. Mais là, sur la manette normale, je peux pas. Tu redes dans 20 minutes? Ok, Mehdi. Y'a pas quelqu'un qui sait comment je peux... Trop bizarre. Vous avez vu ce que je veux dire? Regardez. Avec la manette GameCube, je peux faire ça. Sans viser. Je peux faire des cercles si je veux. Coucou Cassandre, ça va? Non, tu dois faire comme si tu avançais. Bah oui, mais... Là, je peux pas. Ça fait rien, regarde, ça me fait bouger. Et avec la caméra, ça me fait bouger la caméra. Mais c'est quoi ce bordel? Bah ça me fait... Non, ça marche vraiment pas, les gars. Bah non, mais c'est chiant. Bah admettons que j'ai pas donné de GameCube, je fais comment? Ça va, Cassandre? Parce que pour avoir les 100 pièces, ça peut être pratique, hein. Mais attends, mais... C'est pas normal. Attends, c'est peut-être... Ah ok, putain. Peut-être qu'il faut que j'appuie sur... R. R. Ah oui, R. Bah, tu me l'as dit en plus. Bah, moi je fais R et j'oriente avec le stick gauche. Ouais, t'as raison. C'est R. Non, mais je croyais. Je croyais qu'il y avait que un R. Pardon, autant pour moi. Ça va à moitié. T'as peut-être le Covid, putain, mais c'est un enfer. Non, vous avez tous le Covid là. Je suis en train de faire le dernier niveau secret, c'est le cancer du cul. C'est quoi le cancer? Le dernier niveau déjà. Secret. C'est lequel? Le cancer du cul. Merci, Nézard. Là, je dois faire quoi, là? Ah bon? Ah, les nuages. Ah oui, bon, un enfer. Le niveau que j'ai fait en ligne. Oui, bah ça va, Nézard. Ça va. Je dois foutre là. Quel est le délire? Ah, c'est ça. On l'a déjà eu ça. Tiens. Pas du tout ce que je voulais. J'ai plus les contrôles en main avec la Switch. Avec la Pro Switch. J'ai l'air d'un noob, hein, désolé, mais j'ai juste que j'ai changé de manette en cours de route.
Bah oui, j'ai mangé avec mon pote à la cantine et j'ai fréquenté une personne qui a... Ah bah fallait pas manger avec mon pote à la cantine. Si tu savais. Bravo. Non mais j'aime bien faire ça aux gens des fois. Et quand tu voles et que tu as collision éclatée de nuages, tu fais comme là. Insupportable. C'est tellement chiant le dernier niveau là. Comment je peux faire pour ça? Non. Ouais, peut-être que j'envoie un boulet de canon dessus. Putain, ça a été encore un niveau... ouais, putain. Je suis abonné au niveau de merde. Bah oui, mais il le savait pas avant de voir la personne. Je viens de lui dire... Ah, putain. Après, ça veut pas dire que tu l'as, mec. Hein, franchement. C'est... je comprends que tu flippes, mais ça veut pas dire que tu l'as. Mais là, il y a quoi comme recours Je peux faire des sauts en longueur ou pas? Non. Non, je peux pas faire des sauts en longueur. Là, ça sent le champignon quelque part, non? Pourquoi les pièces elles restent plus longtemps ici? Ouais, il est là. Et là il se passe quoi là? Wow 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 wow, calme-toi, calme-toi! Et là ça sert à quoi d'aller là-haut? Bah oui, bien sûr. Tu renaiser 50%? Non, t'as pas 50% de l'avoir. Franchement, ça veut rien dire. Il faut pas flipper. Même si c'est plus dur à... Enfin, plus dur à faire qu'à dire. Plus facile à dire qu'à faire. Ça veut, il faut pas se dire « Ah, c'est bon, je l'ai !» Sinon, tu vas psychoter. Ton corps, il va le sentir. Et donc là... Il n'y a pas de son longueur dans ce jeu en fait. Il faut que je fasse ça. Oh, c'est un petit saut en longueur en vrai. Oui, je sais. Non, mais courage, je comprends. Hein. Je comprends que tu flippes. Oh, on dirait un niveau de Yoshi. Psychoté peut-être. Je suis pas un mec à psychopathe, moi. Les psychopathes, ça m'intéresse pas de ouf. Ouais, moi, tu sais, les psychopathes. J'ai eu de la chance, mais je me demande comment ça. Ce que ça aurait donné si j'étais passé par le bas. On va pas tenter, mais. Jetons de switch dans l'eau bouillante. Ah ouais, bonne idée. C'est toi, l'eau bouillante, Elias. Comment il va notre petit Elias là? Notre petit Elias des familles là? Est-ce qu'il a terminé Mario 64, le petit Elias là? Pièce rouge et pirate. Psychoté. 113. Ça avance. T'as eu une étoile. C'est les... Alors, quelles étoiles il te reste, mec? Pièce rouge et pirate. Dis-nous quelles étoiles il te reste dans... à faire. Est-ce qu'il balance des big balls? Évidemment non. Ah, quoi ça? Ah, mais c'est des... Justement, c'est des bombes. Ah,
elle part très loin quand même. Calme-toi. Ah vas-y, viens. Moi, ce que je veux, c'est Elsa. Celle du monde de la lave que je suis en train de faire, l'affreux bassin, l'arc-en-ciel. Tac. Bonjour. Ok, bon, enfin, les plus durs, quoi. Ouh, ça va pas être facile, ça. Mais tu sais, avec du recul, là, vraiment, genre, ok, j'ai galéré dans 64, mais au final, je l'ai fait. En vrai, je me demande dans quelle mesure Sunshine n'est pas plus dur. Parce que les niveaux spéciaux, là, trop peu pour moi. Hein. En tout cas, Galaxy le best. Toi, tu trouves que c'est le best, Galaxy? Je saurais pas dire, moi. En tout cas, entre Sunshine et Galaxy. Parce que ce qui est clair, c'est que pour moi, le best, c'est 64. Après, Galaxy et Sunshine, moi, je trouve qu'ils se valent. Yes. Yes. Et je suis bête ou je suis bête? Ouais, il y a moyen que je sois bête. Vous en pensez quoi? Nether, tu peux faire un sondage? Est-ce que CR est bête? Si vous répondez oui, bah je vous banne. Où est-ce qu'il est? Oui, allez, ça dégage. C'était cool de t'avoir sur les streams pendant quelques temps, mais... Mais ça dégage. Merde, elle est là. Ok, donc je sais où elle est. Il faudrait que j'ai la buse accéléromètre. Y'a pas un... Non. Waouh, mais c'est quand même très loin. Ah, non. Ah ouais, ok, mais lui, il faut que je le tège, lui. Dégage. Pourquoi tout à l'heure j'ai réussi à la voir là? Il se passe quoi? Ah, faut qu'elle soit électrique. Et quand elle revient. Ah, j'ai plus de. Ah, il va vite se calmer celui-ci. Oh putain! Quelques temps, ouais, depuis le début, peut-être c'est mieux. Monde de la fini. Ah, bien joué. T'as eu l'étoile ultime? Il te restait qu'une étoile, Balsic. Là, t'as eu... Ça y est, t'as fini. T'as fini le jeu, là. Je ne pouvais plus l'arc-en-ciel. Ah, mais c'était un enfer. Moi aussi, ça me prenait la tête de ouf. Hein. Non, encore 38. Mais pourquoi tu dis l'étoile ultime? Que selon toi, c'est la plus difficile, c'est ça? Ouais, t'as pas tort. Hein. Elle est particulièrement chiante. La plus dure. Hein. C'était les 100 étoiles de l'arc-en-ciel. Insupportable. Insupportable. Bon, alors comment on fait pour la niquer? Ça va 5. Ouf, j'ai eu peur. J'ai cru que j'étais toujours le plus nul. Genre moi? Genre là tu parles à ma place, c'est ça? Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Non, je parle de moi aussi. Ouais. Non, je parle de moi aussi parce que j'ai commencé avant eux, qu'il en reste déjà
Ouais, non mais mec, de toute façon, peu importe, hein. Chacun va à sa vitesse. Bon, regarde ce jeu-là, je pense que je vais mettre grave longtemps à le finir. Bah écoute, tant pis, hein. Vous l'aurez très certainement fini avant moi. Par contre, je sais pas si vous avez vu, à propos d'aller à sa vitesse, il y a la mise à jour d'automne de Animal Crossing qui va sortir. Recassandre. Ça va toujours? Bon, faudrait que j'aille chercher les pièces rouges, l'air de rien. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oui. D'accord, Cassandre. En vrai, je vois pas pourquoi tu as galéré sur les pièces rouges de mon trempé séché. Il était hyper simple. Bah mec, t'étais avec moi. T'étais avec moi. Donc on a galéré à deux. T'aurais pu m'aider si c'était simple. Et en plus... En plus, j'ai eu des problèmes de caméra. Alors attends. Je sais même pas pourquoi je vais là, mais c'est pas ici qu'il faut que j'aille de toute façon. Où sont les pièces rouges? Oui. Moi j'aimerais aller aux pièces rouges. J'avais pas la manette en main. Et puis... C'est sûr que si tu fais des sauts depuis des arbres et des rebonds des murs, tu atteindrais le sommet des murs. Hein? Ouais, mais les rebonds des murs, t'as vu, sont pas faciles dans 64. Par exemple, dans Sunshine, tu verras, ils sont beaucoup plus faciles à exécuter. Yes? Mauvaise idée. Oh, non, pas si mauvaise que ça. Mais si on peut en fait. Pourquoi il a fait le tour comme ça? Et il fait le tour carrément. Mais non, les pièces rouges de trempé séché, c'était dur mec Elias, hein. Franchement, j'ose le dire, c'était dur. Je sais pas pourquoi c'était dur. Peut-être une histoire de commande. Mais je pense pas que je sois un mauvais joueur. Après, je suis pas un joueur de ouf, hein, mais... Mais non, il y avait un truc qui clochait. Hein. Alors, tu vas arrêter tout de suite ça. Ah, je la veux. Ah oui, elles font le tour. Les pagodes. Ah ah, je t'ai eu. Bon alors ce sondage, il est pas là, il est trop tard, j'ai oublié ce que je voulais dire. Et de toute façon, j'ai compris que vous n'aviez qu'une envie, c'est de me détruire. Je l'ai compris, vous inquiétez pas. Pas besoin de... comment je vais faire pour aller là-haut? Comme ça. Il y a un truc là-dedans. Ah yes, ouais. Non! Non. Bah si, un peu, hein. Vous, vous aimez bien me tailler, hein. J'ai compris, hein. Mais vas-y, c'est le jeu. Oh, tu arrêtes maintenant, Mario. D'être bête comme ça là. Bon au moins j'avance sur les pièces bleues. Il y a combien de pièces bleues je crois que c'est Draco hier, il m'a dit. Tu sais combien il y a de pièces bleues dans ce jeu? Moi aussi j'ai oublié ce que tu veux dire, mais puis on taquine, ça va. Mais je sais, moi aussi je rigole en disant ça, vous inquiétez pas. La team épicée.
Et Elias, t'es arrivé après que je le dise, mais tu sais, il y a Alex qui va passer quelques jours chez moi la semaine prochaine. Donc on essaiera de faire un petit stream à deux. Ça va être cool. Attends. Moi, je voulais buter. Il se passe que je veux buter ses ennemis là pour aller en dessous. Mais je sais pas si c'est la technique. Sinon. Voilà. Bon, maintenant. Oh, chier, mais... Ah bah c'est super ça. C'est super. Ouais bah c'est cool, ça te plaît comme idée? Je pense qu'on essaiera de se faire du Mario Party, du Mario Kart, du Zelda. Non mais je sais pas, on essaiera de faire des jeux cool. Faut que je fasse un petit overlay et tout, c'est pas drôle. Non, pas du tout. Non, je sais pas de quoi tu parles. Je l'ai pas ce jeu. Après ça peut être drôle. On sera tous les deux aussi nuls les uns que les autres. Moi je serais peut-être même plus nul qu'elle. Parce qu'en plus elle l'a chez elle. Elle l'a acheté pour son mec. Mais après on verra quel jeu. J'ai quoi? En multi, j'ai Mario Kart, j'ai Smash Bros, mais bon voilà. J'ai Mario Party. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu multi? Oh, mais tu... Il fout quoi? Mais qu'est-ce qu'il fout? Il était dans le vide. C'est relou ça. Ça va pas le faire entre nous, Ryoma. Ok. Ah oui, mais non, attends. Oui, donc ce que je veux... On va tenter comme tout à l'heure. Oh non, bah raté. C'est bien ça. Bah bravo. Je regardais ta liste et franchement, Shadow of the Colossus. Ah bah mec, j'ai trop hâte de le faire. Hein. Il y a trop de jeux que j'ai envie de faire. Hein. Mais en plus, je l'ai jamais fait celui-là. Hein. Mais là, j'ai tellement de jeux à faire aussi. Donc bon. On pourrait faire du MK ensemble. Pourquoi pas, on verra. Déjà, dans un premier temps, on fera un peu tous les deux. Après, on verra si on ajoute à... De toute façon, parce qu'après, nous, les patounes, on pourra refaire des sessions. Avec la voix de JDG que j'ai pas, j'ai mis mes chaussettes à l'envers, donc je suis partiellement foufou. J'avoue. Il y a... Vous connaissez... les parents qui mettent les chaussettes dépareillées à leurs enfants? Moi j'avais ça un peu. Elles sont où les autres? Je pense qu'il va falloir que j'aille là, sur un truc. Mais en vrai, faudrait qu'on réfléchisse à quel jeu multi on pourrait faire. Message que tu es partiellement foufou. Ah ouais, j'ai toujours été partiellement foufou, moi en plus. Ah non, arrête-toi. Ok, bah super, merci. Putain. Oh non. Tu vas pas me faire chier, toi. Hein. Oh, mais attends, mais quoi? C'est bon. Ok, ça va toujours. Comment on les nique ces merdes là? J'ai pas le délire. Tout à l'heure j'ai réussi sans problème. Et elles sont toutes les autres pièces. Il m'en reste deux. Aujourd'hui même, j'ai fait la question de Minecraft Java Edition. Ça change quoi Java Edition? C'est genre tu dois coder? C'est quoi le DL? Oh non, je suis en bas. Ah bah voilà.
Oh non. J'ai pas ici. Yes, ça va. Non, non, mais non, j'allais pouvoir le faire. Vous avez vu? Oh non. Oh non. Pourquoi il est là? Quel smiley? Je vois pas. Je vois pas de smiley. Tilalilalou, c'est les boules quand même ce qui s'est passé. Et bah là je suis bête aussi. Pourquoi je suis bête comme ça? Non, Java c'est l'édition pas console et Windows 10 mais sur PC. Ok. Donc là tu t'as acheté Minecraft sur PC quoi, en gros. Si j'ai bien compris. Moi j'ai Minecraft Dungeons sur PC. Que franchement j'ai bien aimé. On l'a quasi fini avec Bobo Elias, non? Ah mais il y en a combien comme ça là? Eh bah vas-y, bah je te dirai rien. Balance-moi. Balance-toi. Qui se rappelle de ça? Tony P, les clés de la réussite. Oh non, pas ça, Zinedine, pas tout ce que tu as fait. Alors, j'ai pas l'arrêt. Et je suis tombé. Oh, joli. Merci le bateau. Oh non. En fait, j'ai vraiment pas la tech. Bon. Va falloir que j'apprenne un peu les contrôles de ce jeu. Hein. Quel affront. Bah ouais, mais je suis désolé, j'ai pas les mêmes rêves que vous. On a 15 ans de différence quand même, les gars. Moi, est-ce que... Alors, attendez. Est-ce que vous avez la rêve de Dadan du 29? Est-ce que vous avez la rêve de... FAR, y a rien à faire? Est-ce que vous l'avez, ça? Si vous l'avez, je ferme ma gueule. Mais bon. Pour le finir, faut faire dans les trois difficultés. Quoi? Minecraft? Non, pas Mario. Y a pas des difficultés dans Mario, quand même. CC, comment ça va? C'est toi qui vois. Parc Pinal et Tournesol Famille. Enfin, j'ai pas les mêmes rêves que vous, les gars. Vous êtes jeunes. Ouais, je connais celle de FAR. C'est vrai? Bon. La Zermite du 9-2, tu la connais? Et ton père se surnommant Kader, te course tous les soirs dans le cou. Gloire. Connais, franchement, GG. Mais ça, mec, c'était ma ref il y a 10 ans. Mais c'était pendant la Coupe du Monde 98, je crois. FRI, y a rien à faire, y a moyen, ouais. Non, alors, c'était pas pendant la Coupe du Monde 98, mais c'est vous tapez la Zermi du 9-2 sur Ah, salut, Grito Xico. Et merci pour le follow. T'es adorable. Et bienvenue à toi. Oh, je me trompe à chaque fois. Oui, c'est ça. Quoi, c'est ça? Pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez? Quoi, pareil? Alors, c'était peut-être en 98, mais c'était pas... Il n'y avait aucun rapport avec la Coupe du Monde 98. C'est juste un mec qui se surnomme Kader. Non, c'est juste un mec qui a fait un peu de rap. Et qui était très drôle. Non, pas FR. Ah, quoi alors? On parle de quoi alors? Mais putain, mais alors vas-y, je comprends pas de quoi vous me parlez. Encore une fois, vous m'avez dû perdre. Et des fois, je me dis, je suis sûr, ils s'écrivent en privé. Putain, on complote. Mais c'est ça, vous complotez.
vous vous écrivez en privé et vous lui dites « Venez, on le rend fou. » On parle de trucs et genre, il sait pas de quoi on parle. Quoi, bienvenue ? Ok, je suis à la ramasse, là, les gars. Pourquoi ils sont fanés, eux, là ? Moi, je veux pas qu'ils soient fanés, ils sont tristes. La rêve qui a sorti... Ah, mais ça, c'était il y a 4 soleils, donc il y a 3 jours, il y a 3 jours pour serre. Pourquoi il veut pas plus ? Et du coup, Lazermi du 9-2, vous connaissez ou... Est-ce que c'était Edalen du 9-2 ? Bon, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut... je fais quoi, les gars ? Va falloir m'aider, là. Mais est-ce que tu connais Grandad ? Oui, c'est une expérience contre nature bootleg venue de Chine. Son existence est une torture. Ils ont collé la tête de Mario sur Fred, pierre à feu. C'est pas très beau. Grandad, oui, c'est Grandad. C'est une... Yabadabumina. Une Yabomina. Une Yabomination. C'est quoi, c'est JDG encore ? C'est le gourou ? Putain, mais on peut pas faire une pétition pour enlever ce bouton de merde là, de la carte, dont on se sert jamais ? Comment on fait ? Aidez-moi. S'il vous plaît. Pourquoi je... Ah. Cette œuvre avec l'or... Bah ouais, mais... Très bien. Ah. Ah. Ok. Oh, va vite te calmer, toi. Chez. Tout ça pour ça. Ok. Oh, tu as oublié ça. Qu'est-ce que j'ai oublié, mon Elias ? J'ai rien oublié. Moi, je suis une encyclopédie. Hein. J'oublie rien. C'est bien. C'est ce qu'il m'avait chanté. Déjà, c'est Hermite Moderne, pas JDG, on suit la vidéo en fin de la... Ah oui. Ah oui, mais putain. J'avoue, je l'ai pas appris par cœur. Mais d'accord, ok. Je vois le délire. Je vois le délire du gars. Hermite Moderne, je connais pas du tout. Hein. Tu sais. Pourquoi elle disparaît si vite les pièces jaunes ? Et du coup, le nouveau, celui qui vient de s'abonner là, t'es là ? Comment tu vas ? Raconte-nous un peu ta journée. Le nouveau ou la nouvelle, je sais pas. La nouvelle personne. T'es là ou t'es pas là ? Mais t'es où ? Pas là. Mais t'es pas là. Mais t'es où ? Mais t'es pas là, mais t'es où ? Bah du coup t'es où ? Ok, alors ressors-moi ce que c'est la parodie si tu n'as ce que tu dis. Alors, je sais pas exactement ce que c'est, je me rappelle plus de la truc exacte, mais je me rappelle que c'est un problème des gencives qui remontent jusqu'à l'intérieur de la joue ou un truc de genre. Ou un problème de la mâchoire. En tout cas, je me rappelle, c'est un truc dans les dents que t'avais eu. Oh mince. Oh mince. Pourquoi il est beaucoup plus rapide celui-là ? Mais on est où ? On est où ? T'es là. Ouais, il est pas là. Il est venu, il s'est abonné, il est reparti. Enfin, il a follow. C'est peut-être que juste quand je suis arrivé, j'ai chanté Lazermi. Juste quand il est arrivé, j'étais en train de chanter Lazermi du 9-2 et il s'est dit, oula, lui c'est un bon. Il a les refs.
Ce serait drôle de faire revivre Lazermi du 9-2 10 ou 12 ans après. Je crois, j'ai regardé, ça fait 12 ans qu'elle a été postée sur, sur YouTube. Et ce serait tellement drôle de... Oh, c'est Yoshi. De faire revivre le truc, genre je vous dis, hey, regardez Lazermi du 9-2, vous kiffez, vous partagez partout. Et en fait, ça fait revivre. Et le mec, il devient célèbre et tout. Et après, je le rencontre. Parce que ça a été mon souhait pendant très longtemps de le rencontrer. Il m'a tellement fait rire. Je connaissais par cœur son truc avant. J'aimerais savoir à quoi elle ressemble maintenant. Serre, dis-moi le mot le plus long de la langue française puisque tu es une encyclopédie. Putain, ça y est. C'est très compliqué parce que, en vrai, on pourrait dire que c'est anticonstitutionnellement, mais en fait, moi j'ai remarqué que c'était des mots de. Des titres de. Des bananes, ça ? Non, c'est pas des bananes. Des titres de médicaments, des noms de médicaments. Les noms de médicaments, ils sont interminablement longs. C'est pas des bananes. Oui, bah ça va, Yoshi, t'es mignon. Moi, je le connais par cœur, perso. Vas-y, dis-moi alors. Bah alors, c'est anticonstitutionnellement, c'est ça ? Parce que, mec, en vrai de vrai... Ah, ça, c'est trop cool, ça. En vrai de vrai, si tu penses que c'est ça, va regarder les noms des médiocs et tu verras que ton monde va changer. Elles sont où les bananes, là ? Hein, les bananes, elles sont où ? Putain... C'est pas des bananes... C'est pas des bananes... Et imaginez, je lui donne un piment. Quoi ? Hippopo... Hippopoto... Monstro... Sesqui... Pedaliophobie. C'est une phobie ? Putain. À peine non. Ouais, putain. Oh, mais c'est Yoshi. Super Mario 3D All-Star, Super Mario 64. Non, non, mais en vrai, les vrais... Oh, trop bien. Les vrais plus longs, c'est les... Ça fait quoi Les vrais noms les plus longs, c'est les noms de médoc, comme je vous l'ai dit. Le comble, c'est que c'est une phobie des mots trop longs. Mais non, c'est comment c'est trop drôle. C'est vraiment ça. C'est exceptionnel. C'est des petits rigolos, ceux qui l'ont inventé. Ça me tue. Genre le truc imbitable. Bon, il est trop mignon, Yoshi, mais il sert à quoi ? J'en peux plus, quelqu'un s'amuser à dégrader mon mur. Est-ce que M, je veux dire, qu'est-ce que tu veux toi en fait ? Bon, t'arrives. Personne n'a dégradé ton mur, tu veux quoi ? Du coup, on va retourner. Oh, pauvre Yoshi. Oui, c'est vraiment ça, c'est incroyable. Franchement, merci pour la découverte. Par contre, il y a des mots, des fois, l'autre jour,
On essaie de deviner des mots, genre trop bizarre. Ce que ça veut bien vouloir dire, tu vois. Mais il y a des mots, ils sont trop bizarre, quoi. Tu peux vraiment pas savoir ce que ça veut dire sans le connaître. Pourquoi il marche pas, lui, là? Voilà. Je me disais bien, depuis le début, il y avait un truc en moins. La grande roue de la Discord. Ah, hey, Discord! Rejoignez-nous sur Discord. Je dormirai moins bête, merci. Bah, de ouf. Heureux, j'ai la vaisselle à faire. Ah bah. Du coup, bonne vaisselle. Important, ça, de participer. C'est ton tour. Est-ce que t'as un frère ou une sœur et genre chacun son tour? Putain, on se battait. Nous. Pourquoi chaque fois ça ferme la porte, genre... Ah pardon, j'avais pas quitté. Ah donc c'est... Gritoxico vous suit sur Twitch. Gritoxico est toujours... Il est plus là? Gritoxico. T'es fils unique? Bon, bah alors du coup, tu te fais douiller pour la vaisselle. Toujours toi, quoi. Les pièces bleues, ça va être chaud. Hein. Là, j'ai vu un oiseau. Il a bougé tellement rapidement. Bon, la grande roue de la Discord, j'ai même pas vu. Putain, hein, je regardais Gritoxico. Du coup. Bon, moi je vais manger genre... Ok les gars, ben amusez-vous bien. Moi j'ai pas mangé non plus, j'ai faim. Je mangerai après, ça fait combien de temps? Une heure? Je mangerai après. Faites quoi ceux qui n'étaient pas là quand j'ai demandé ce que vous faisiez ce week-end? Bah qu'est-ce que vous faites ce week-end? Ceux qui n'étaient pas là. Oh. Ah, l'arbre il est en forme d'autochtone. C'est drôle. Oula, ça va très vite sa grande roue là. Non, personne ne peut monter sur la grande roue pour le moment. Il faut la réparer le plus vite possible. Okay. Comme tu peux le voir, elle tourne sans s'arrêter. Il va falloir repasser. Bah oui, mais. Moi, je suis pas venu ici pour ce faire. Où est-ce que c'est, ça, déjà? Là-bas. Affreux bassin terminé, bien joué. Oh merde, elle était là. Oh merde, elle était là. Oh bah zut. Les boules. Plus que 5. Plus que 5 étoiles, trop bien. Là, tu vas le finir ce soir. Oh ouais, peut-être pas. Hein. Parce que tu te la pètes, mais mec. Oh, il s'est suicidé. Ah non, elle est revenue. Ah putain. Par contre, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une pièce bleue là derrière. Voilà. Et 50 pièces, et ouais, mon gars. Je pars et je re sûrement à toutes. Ok, Mehdi. Bisous, bisous. À toutes. Porte-toi bien. Et j'arrive à le faire, ça. Comment je peux... Mais en fait, elle est juste là. On se dit, ah ouais, putain, c'est loin, mais en fait, elle est juste là. Donc, regarde. Regardez. On va ne pas se tromper dans les boutons. On s'est déjà trompé, génial. Regardez, elle est juste là, en fait. Voilà. Parfait. Par contre, s'il y a des fruits, c'est-à-dire qu'il y a Yoshi. Bon, alors du coup, la grande roue de la Discord, je sais pas trop. Hein. Comment je peux faire ça? Peut-être que j'aille là. Ah
pas non plus. Pourrais-tu les renvoyer de lui-même? Bah j'aimerais bien, mais je sais pas comment on fait. Parce que je suis nul. Ok. Ah. Comment je peux faire? Je ne peux pas. Ou alors, je fais d'ici, mais... J'ai un doute. Ah si, en vrai, si je tire de plus loin. Non. C'est un peu loin. Ce sont les 52 pièces. Il y a combien de pièces? 240 pièces, c'est ça? J'ai eu un accent. 240. Ah. Ah, ok. Bon. Du coup, c'est la simplitude. Enfin. Le majeur problème dans ce jeu, c'est que quand tu te lances trop avec le jet, il part en couille. Salement. Wow, tu vas te calmer. Putain de bouton. Je sais même pas si c'est par là qu'il faut que j'aille. Hein, mais... Oh non. J'avais pas vu qu'il y avait pas de sol. Putain. Ah du coup ils sont remis évidemment. Bande de remis. la caméra, on n'y est pas encore. C'est pas encore le délire de la zone. Wesh. En fait, ça sert à rien que j'aille... Compris. Mais non, chaque fois je fais la même erreur. Comment j'ai fait la première fois en fait? Et mais... Le débile! Il peut me faire mal là. Bah attends, mais si je tombe, ça va être un enfer. J'ai brain le jeu, mais... Comment je...
Tu as mangé, Elias? Alors, bon appétit. Comment je fais pour aller vers le haut, là? Ah, éviter de tomber, hein. C'est quoi le... Ah, il y a un hôtel là-bas. Bon, là, ça va être une autre paire de manches. Hein. Putain. Putain, vous me donnez faim là, tous à dire je vais manger. Est-ce que je mange, moi? Oh non, il y avait un. Ah, faut se dépêcher, mais pas tomber. Yes. Non, non mais. Oh. Ah putain. Encore? Ah, mais c'est un trop bien. C'est le truc qui va vite. J'aime bien. Bah bravo Mario. Et bravo. Ah, il est là. Il est là, ce petit bâtard. Bah non, mais casse-toi. En fait, je crois qu'il veut me montrer qu'il y a Yoshi. Genre, c'est avec Yoshi qu'il faut que je nique. Quand même, anti Mario. Oh non. Où es-tu? Ben voilà. Soit moi dis j'étais à deux doigts là-bas, là, bah t'étais à deux doigts. Et maintenant, t'as du père. Alors, ça sert à quoi ça? C'est quoi ce truc? Bon. Re, finalement, je mange pas, je vais chez les gens. Ah bah, bravo. Le mec va chez les gens. Quoi. Bah écoute, bonne soirée, mon gars. Et à bientôt. Demain après-midi, t'es là? Comme demain soir. Bonne
bonne soirée, je vous tiens informé. Ok mon gars. Keep us informed. Pourquoi j'ai pas pu l'avoir? Comment il court? En tout cas ouais, bah, bonne soirée et puis merci d'être passé. Et à très vite. J'ai eu un soleil. Un 31 soleil non, quand même. Ça avance hein, à l'air de rien. Mais pourquoi? Pourquoi je dois le rechoper? Qu'est-ce qui se passe? Fallait que je fasse quelque chose absolument avec ça? C'est chiant, non? Ah si, je vous confirme, c'est chiant. C'est même très chiant. Pourquoi je dois le rechoper, je comprends pas. Et toi là, con. Non non, on va pas là-bas, ça va être trop chiant. Bah ouais, mais alors du coup j'en fais quoi? La catabuse. À chaque fois je dois la reprendre. Ah mais c'est la catabuse. Mais je voulais pas la catabuse. Bah merde. Moi je voulais la... Je voulais la... La turbobuse là. Après ça peut-être que c'est un délire. Hein. Bah non. Ah non, je sais. Une fois arrivé en haut, je refais la catabule. Il y a peut-être un truc tout en haut. Sale. Trop chelou tes potes. Ah du coup maintenant ils sont là. Ok. Ok. Et du coup là je peux faire un délire là. Que ça peut pas me servir à aller je ne sais où, genre là-haut là. C'était un soleil, merde. Les trucs jaunes, c'est des soleils. Viens donc te reposer. Allez, vite, et je vais le... On l'éteint un peu. Est-ce que ce serait pas avec la catabuse, faudrait pas se mettre dessus là? Il est où le petit là? Viens donc te reposer. Est-ce qu'il va se poser malgré le fait que je sois là? Il se pose là, non? Yeah.
En fait, ils sont vous êtes tous partis, les gars. Il y a plus personne, c'est ça? Après, par contre, je peux peut-être l'avoir comme ça aussi. Ah ouais. Bah voilà. Oula. Oula. Allez. Je peux sauter. Par contre, bon. Il faut la catalyse. C'est laquelle la catalyse là? Celle-ci. Est-ce que dans l'eau on peut catabuser? Catabuser. On peut pas? Ah oui, mais alors attends. Et en fait, il faut pas du tout la catabuse. Il me faut la buse normale. Il y a des portes là, je vais y aller avec la turbobuse là. Voilà. Voilà Mario. Bravissimo Mario. C'est bien d'avoir toutes les buses à dispo. J'apprécie le geste. Allez, catabusons-nous. C'est tellement cool. Regardez là, les portes. Là. Comme petite idée tout à l'heure. J'ai trouvé une pièce bleue. C'est tout. C'est ça, mais... On peut faire le tour ou pas? Oui, bah ça va. Par contre, c'est quoi le délire là-bas? C'est l'aéroport? Je crois que c'est ça. Bon, on va catabuser. Non. On va turbobuser autour de l'île pour voir ce qu'il y a de délire. C'est trop cool. Ça turbobuse bien, hein. Ah là, c'était le mec des idées. Oh, feu. Trop peu pour moi. On peut turbo-buser dans l'eau ou pas? On peut. C'est trop bien. Oh, les jeux là qui se coincent bizarrement. Là. Ça ne sert pas à grand chose de turbo-buser autour de l'eau. Que je voulais faire. Je voulais me catabuser. J'aime trop employer le verbe buser. Je veux me catabuser en haut de la. En haut de la cloche là. C'est celle-ci la catabuse? C'est celle-ci. Je sais pas si ça sert à quelque chose d'avoir la catabuse pour aller en haut, mais t'as vu, il y a une cloche. Ça va. Le truc, c'est que si je me catabuse, enfin si j'ai la catabuse, et j'ai plus le truc pour voler, donc bon.
Est-ce que il faudrait que je fasse ça? Oh, il y a du joli là. C'est quoi? Ah non, ça va être un truc faisable là. Ah, village planta. Non, c'est un vrai monstre là. C'était haut quand même. Oh. Champis des chaînes. Il est tout petit le monde. Ah, mais du coup, j'ai toujours la. Ah non, j'ai. C'est bon. Ah oui, Magaté. En fait, il paraît petit, mais en fait, il est immense. C'est juste que c'est le monde grand petit. Qu'est-ce qu'il nous donne ? Dites, vous ne pourriez pas nous aider un peu ? Bah, si, je suis là. Les animaux de compagnie de cette brave dame ont essayé de prendre la clé des champs. Ok. Et bah, très bien. Moi, je pense que je vais manger des gnocchis ce soir. Et c'est pas pour autant que je te préviens, quoi. Les 100 pièces, ça va être quelque chose hein, dans ce jeu. Faut pas que je les chope tous d'un coup. Parce qu'après ils vont redevenir bouillants. Ah moi je pense. Hein. Je pense que c'est un Del comme ça. Ah putain en plus. Ouais. Ah t'as vu, il est devenu bouillant l'autre. Attends mais peut-être que je peux le choper. Mais calme-toi, Mario, mais laisse-moi juste reprendre la main. C'est quoi cette merde là? Oh, putain de bouton de merde. Ah putain. Je vois le délire. Ah mais attends, mais il vient de bronzer dessus là. Non, je comprends pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je trouve qu'il faut que je les mette les deux en même temps. Je les balance, je ne sais où. Qu'est-ce qu'il faut faire?
J'essaie de lui attraper la queue et de tirer dessus. Bah, tu crois que je fais quoi? Forax. Et maintenant? C'est ça le problème, c'est qu'une fois que Faut peut-être que là je fasse. Y'a pas quelqu'un pour m'aider là. Alors là je suis arrivé en haut là. Là vous allez me dire c'est tout. Y'a un truc là où. Putain c'est. Putain y'a un truc tout en haut. Par catabuser en fait. Il catabuse hein, quand même. Hein. Envoyer dans l'eau. Peut-être ça. Ving. Peut-être l'envoyer dans l'eau. Je suis très bête, non, je vais pas mourir maintenant. Non, 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 non. Absolument pas. Ah, il y a le deuxième, merde. Merde. Qu'est-ce qu'il fout là aussi, lui, là. Vite l'envoyer dans l'eau, lui. On va pas comprendre son. Toujours bien te comporter avec les îlots, bah, bien sûr. C'est pas moi qui risque d'oublier ça, Jet. Et les animaux, faut bien les traiter. Les animaux sont nos égaux. Il est où le sol? Le sol. Par là ou pas? Je fais pas tout ça pour rien.
pas là pour niaiser. Ah, il y a peut-être un délire de, d'éteindre des champignons en feu. Hein. Je suis sûr qu'il y a un délire. Que je vais pas faire maintenant. Non. Bon, il est où ce truc là? Y'a qui là dans le chat, les gars? Parlez-moi. Je me sens seul. Dites-moi que je suis fort. Dites-moi que je comprends bien les jeux. Ah, attends, là, il y a un bon. Ouais, je le ferai après. Après, s'il faut que je refasse la buse, parce que là, je voudrais effacer le soleil, mais je pourrais pas remonter sans la buse. Oh non, il plantissimo. Il m'énerve, il plantissimo. Ah! Tout va mieux. Ah, donc il n'y avait pas un délire avec le feu. C'est bien moi, il plantissimo. Tu vois ce drapeau là-bas? Je te défie à la course. Mon record est de 30 secondes. Impressionnant, n'est-ce pas? T'es prêt? Alors c'est parti. Je suis pas prêt, mec. Il me fallait la turbobuse, en fait. Ah, le bâtard! Comment il. Ah, il passe par. Je vais prendre la pièce bleue, parce que de toute façon j'ai perdu. Comment je peux faire avec lui? Chaud un peu. Tu n'es rien d'autre qu'un gros amateur. Oh, je t'ai déjà battu 3 fois, mec. Je suis sûr que tu peux quand même mieux faire. Je vais retourner dans le niveau, je vais explorer un peu les possibilités. Et j'ai vu une pièce bleue obtenable. C'est village Pianta ou Planta? Je pense que c'est Pianta. Ah, oh, il y a une pièce bleue tout en haut à gauche là. Comment on fait? Se calmer le Royaume là. C'est ridicule de dire Yoma. C'est quoi ici? Je tente. Ouais, je vais tenter. Ah. C'est moi ça, genre je voulais aller à un endroit, en revenant dans le niveau j'ai vu un autre endroit, et en allant à cet autre endroit, j'en ai vu un autre. Il passe beaucoup de trucs ici les gars, c'est pas net tout ça.
Et très net. Pas très net. Hein. C'est peut-être t'es net. En tout cas, c'est pas très net. Ouais, bon, bah, le délire, c'est que c'est un peu une mauvaise idée ce que j'ai fait parce que là-bas, il y a du jaune. Là, il y a une balançoire qui va pas m'aider. Ah, si, les balançoires, ça peut m'aider peut-être. Alors, si déjà, s'ils arrivent là-dessus. Très mauvaise idée, mais en vrai, c'est chaud, hein. C'est bizarre quoi, leur niveau. Attends, mais quoi? Qui est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis tombé? J'ai pas compris. Ça se trouve, on peut pas y aller. Le délire, c'est ça. Toujours mieux. Ah, c'est ça que je voulais faire. Bah oui, m'a gâté. Oui. Absolument. Je sais même pas ce que je fous ici. Y'a quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose à obtenir? Oh mais j'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau. Ça me paraît bizarre ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manigance ici? Hein? C'est juste une ouverture. On va aller essayer dans son coin. Juste une ouverture à demi-fin. Pour elle était pas hyper en forme. Bon, les ouvertures pas en forme, ça m'intéresse pas de ouf. Je préfère les ouvertures ouvertes quoi. Ouvertes d'esprit. Par contre je suis en train de me tuer à petit feu là. Avec ce qui se passe là. C'est-à-dire que j'ai plus d'eau. Que j'arrive à remonter. Mauvais délire. J'aime pas comment je vais faire. On va tenter. Bah non. C'est raté. C'est raté. C'est dommage. Dommage. Au moins j'ai eu une ou deux pièces bleues. Une. C'est déjà ça. Pianissimo, il va arrêter, il va attendre un peu. Rebalistique, ça va? T'as fait la vaisselle? Moi j'ai, je pense j'ai parlé tout seul pendant une bonne grosse vingtaine de minutes. C'est triste. Mais bon. Il y a 7 ans, bah ouais. T'as fait la vaisselle de toute la semaine. Là j'ai vu une pièce bleue en haut là. Mais est-ce que ça va être faisable? Très 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 stressant les gars. Moi, je sais même pas si je peux aller sur la. Je peux aller sur la feuille en soi. Là, dans le doute, je vais aller là. C'est pas pour rien que c'est comme ça. Je l'ai vu en lançant le niveau, cette pièce. Putain, j'ai 60 pièces. Hein. Franchement, je sais pas vous, mais moi j'ai 60 pièces. Là, je vais me faire mal là. Waouh. Bah non. Tiens,
Donc là, j'ai une course de Il Piantissimo à faire. Mais il n'y a plus d'eau. Okay. Donc c'est soit, soit le feu, soit l'eau. Et en fait, faut passer par là. Mais lui, il speed trop. C'est chaud quand même. C'est un onsen. C'est drôle. Tu vois, lui, il passe par là. Mais attends, mais je vois pas. Hein. Je vois pas comment il... Je vois pas comment il flex. C'est vrai que j'arrive là. En fait, j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Ce serait mieux que ce soit dans l'autre sens. Regarde, je vais te montrer. Il est chaud. Ah non, mais en plus, je suis dans le mauvais sens. Oui, oui, c'est bon, Il Piantissimo, c'est bon. Il nous fait le coup à chaque fois. Tu me défies la course, un record à 30 secondes, machin, oui. Ok, donc j'ai perdu du temps déjà. Ah! Mais vas-y, mais. Tu vois ou pas? C'est chaud quand même. Voilà. Ah bon. Faut que je trouve le bon délire. Ah, 30-42. C'est un amateur gros lourdeau. Dingue. Il a craqué. Un amateur gros lourdeau. Il est retourné. Hein, si tu veux. En plus, je perds des vies. Je perds des vies en plus. En plus, je perds des vies. À chaque fois, il me remonte son laïus là. Je m'en tape. De toute façon, à chaque fois, je te bats, Il Piantissimo. À un moment ou un autre, je te bats. Donc, t'es mignon, mais... T'es un tout petit peu con. T'as imaginé la turbobuse ici. Oh. Ne passe pas devant moi. Je suis devant toi. Et là, je meurs. Mais... Putain! Ah non! La loose, sérieux! Et là, je meurs. Et vlan. Ah, l'enfer, qui a vu ça? Qui peut clipper? Ah, putain. Je suis triste. Bon, en tout cas, c'est faisable. T'es baisé. Du premier coup. Comme d'habitude. Je suis trop fort. Je suis trop fort. À chaque fois. Ah non, il va me le mettre de l'autre côté. Ah non. J'ai eu peur. 25,79. Ton meilleur record, c'est 30 secondes, mec. T'es nul, Il Piantissimo. T'es nul. T'es nul. T'entends? À chaque fois, je te bats du premier coup, genre.
Le sauvetage du maire. Le maire, il s'est mis dans une... Il se passe quoi avec leur monde, là? Trop chelou, là. Chaque fois, il y a des délires bizarres, là. Ça va pas être simple sans buse. Avec tout ça, en plus. Enfin, m'expliquer. Le maire, il y a des... Il est assez beau, c'est quoi. Bah, il est pas courageux, c'est juste qu'il est con. Ah non, je sais. Ah bah, c'est là que ça, c'est à ça que ça sert. Mais oui, mais attends. Et si j'ai pas les... Si j'ai pas la buse. Bah oui, je fais comment. Comment je fais? C'est peut-être pas le bon endroit. Mais c'est le seul endroit où il n'y a pas de lave. Là, si je passe là, c'est évident, je me crame la gueule. J'ai essayé de faire le tour pour voir s'il y a des délires. Bah non. Ah, mais c'est obligé, c'est ça. Mais en dessous, comment je fais? Tu veux pas éviter de te mettre en plein embranchement, toi? Ah, peut-être c'est là. Un mec un peu coucou, là. Le mec, il est content, il chante. Son maire, il est en... Il est en train de mourir. Et... C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Alors, l'éternel veut pas. Bah, si, il m'énerve totalement. Peut-être là, en fait, le vide. Mais après. Attends, je vais aller voir jusqu'au bout quand même. J'aurais te conduire au maire. J'ai oublié les grilles avec qui il reste. Mais si tu restes accroché trop longtemps, la grille te cède. Oh, non mais... Je les aime pas trop. Mais... C'est à ça que ça sert. Non. Bon, au moins j'ai compris. Mais bon. C'est quand même plus simple de jouer avec la manette pro que la GameCube. Hein. Du coup, ouais. C'est un peu... Je l'ai un peu acheté pour rien, j'avoue. J'ai pas acheté pour rien, parce que... C'est toujours cool d'avoir une manette de GameCube. Sachant que... J'en avais déjà deux. Mais je fais une manette de GameCube qui se branche en USB. Oui, on sait, le meilleur. En plus, c'est une manette Zelda. Vous imaginez bien que. Ça se trouve, si je vais dans celui qui est ici. Ce sera mieux. C'est pas... Non, l'autre, il a dit que le maire... On va retenter. Les autres, tu me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'instant? Donc lui, je pense que c'est le Moodle. Yes, aïe.
Les araignées, elles sont mimi, mais je m'en passerai. Oh, putain. Bon alors, comment je vais faire pour remonter? Faut sauter peut-être. Ouais, c'est ça. Non, mais vas-y. Il est retourné dessus, ce con. Si on pouvait switcher ça, ce serait quand même cool. T'es toujours là, balistique? T'es dans Mario 64? Lâche-moi! Oui, je finis le niveau 10 des... Le niveau 10 des neiges. C'est quoi le niveau 10? Ah, Dracul Wolf. J'ai droit à un câlin de Tokyo. Putain, mais le truc c'est que là il dort vraiment en boule là. Mais dès qu'il... Si tu restes encore un peu... Je le chaufferai. Mais il faut savoir que Tokyo, il peut rester dans mes bras que 5 secondes. Donc ça va être chaud. Mais ce qu'on pourrait faire, un de ces 4, c'est genre... prendre la webcam et le filmer. Ça pourrait être drôle. Non! 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 Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Comment ça va, Draco? Que là, je suis bien ou pas? Oh! Pile. Pourquoi pile 5 secondes? Et des fois, c'est moins. Des fois c'est un tout petit peu plus, mais je sais pas pourquoi, il est programmé, je le garde dans mes bras 5 secondes. Et au bout de, en fait pendant 5 secondes il est tout mignon, ah, je t'aime, oh, le monde il est beau. Et d'un coup c'est... Je veux partir. Je sais pas pourquoi, je comprends pas son délire. Mais bah moi ça va. Mais j'ai perdu trop de fois archi bêtement. Que je saute ou je... Général. Ouais, j'en étais sûr, c'est un truc qui rebondit. Alors attends. Comment je fais? Encore si je savais où fallait aller. Et toi du coup, t'as passé une bonne journée? Pas commencer la compile. Ouais, mais là, c'est pas là, ce qu'il faut que je fasse. Putain. Ça, je crois que je peux même pas aller dessus. Ouais, tu vois. Je peux même pas aller dessus. Donc là, avec la buse, ça pourrait, mais. Ah, putain de. Du coup, je suis coincé là. Comment je fais pour descendre? Ah, merde! Ah, c'était là! Ah, zut! En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je vois si je peux tomber sur un truc. Évidemment, je peux pas. Peut-être tomber sur celui-là. S'il te plaît. Ah, merci. Est-ce qu'on a bien avancé, là, Draco? Là, faut que je fasse ça. Il va falloir qu'on se concentre là.
Les gars, on se concentre. Là. Franchement, je pense qu'il est, il est vraiment plus dur que le que 64. Putain, c'est là. Genre, j'ai réussi là. Mec, tout à l'heure, avant que t'arrives, j'ai dit, j'étais en train de faire une course et je pouvais tomber dans le vide. Non. Et j'ai dit, et là, imagine, je meurs et je suis mort. Genre, il y a une buse ici, quoi. T'es déjà reparti ? Monsieur est déjà reparti. Bah attends, mais comment je fais ? Attends, en fait, on croit qu'on a réussi, mais pas du tout. Renaiser, comment ça va? Oh, je stresse. Attends, mais je fais comment? Peut-être que j'aille là et qu'après je fasse un... Ah, ça doit être ça. Non. Calme-toi. Ah, si c'est ça, c'est quand même très compliqué. Chou, tu m'as sauvé, merci mille fois pour moi. Putain. Ça va toujours, Nether? C'était bon? Oh. Putain, il était cool ce soleil, mais... Mais bon. Bon, moi je vais y aller car j'ai des trucs à faire de mieux que de regarder ces répissés. Tu vas jouer à Smash, c'est ça? On connaît les trucs à faire. Le mec il va faire un tournoi, un xème tournoi Smash de la journée. Des trucs à faire. Le bain du champ déchaîné. Oh non. Ah, faut l'emmener là. Oh là là. Ils veulent ma mort, hein. En tout cas, là je suis convaincu que ces niveaux-là, je les ai pas faits. Genre Sunshine, j'y ai joué, mais pas tant que ça. T'es déjà parti, Nether? Ça y est, tu me quittes. Un tournoi Smash? Là. Maintenant je fais quoi? Je
Ah mais quoi? Souvent c'est très con, mais bon. Attends. Si je fais ça, genre, il va me mettre devant, il va péter un câble. Il pourrait me foncer dessus, tu sais. Une idée là. Le game fait même pas mal et c'est un bug en fait. En plus là même là, genre je passe à travers ça. Il va y avoir un bug. Servir à quelque chose. Mais... Bon, là c'est même pas que c'est difficile, c'est que c'est incompréhensible. Oh, regardez, il y a un peu de soleil. Là. Pourquoi je regarde le soleil comme ça? Une autre. Là il me fait mal. Bon bah ça me fait chier, je pense que je vais arrêter. Ça m'énerve. Ça fait des heures. Bon bah alors je pense que je vais pas arrêter. Ça me fait des plaisirs. Il va au bain chaud? Il y va tout seul? Tant mieux. Mais bon. Non, il va tourner à droite, évidemment. Ah oui. C'est pas trop simple. Il y a une pièce bleue là-bas. Je le ramène genre. Ah mais du coup à un moment il va redevenir fou. C'est ça le délire. Ah peut-être que quand je l'ai en comme ça, il est pas fou. C'est chaud quand même. Attends, il y a peut-être un délire, c'est de le laisser aller jusqu'au bout quasiment. Et de prendre ça. Genre maintenant, si j'arrive à lui jeter dessus. J'ai pas eu... Putain, j'étais juste à côté. Ah non. Il y va? Il y va tout seul? Non, putain, les boules. Oh, ah merde. Ou alors je me cale ici et j'attends qu'il passe. Peut-être une idée. Ah non, mais en fait, je suis con. Les gars, il y a une buse, ça a quelque chose. Voilà. Ça ne buse pas à fond. Je vais faire ralentir un peu.
comme ça je peux te le lancer. Là je crois qu'il a fait son pattern de... Il va falloir qu'il fasse le tour. Ah non. Viens là petit. Viens là mon petit. C'est là que je casse le tour. À chaque fois que je dis ça, il arrive ce que je dis, donc faut le mettre. Oh non. Il fait sa tête de mule. Ok, il repart de l'autre côté. Viens, mon enfant. J'attends qu'il fasse son petit tour là, qu'il fasse son caprice, son caca nerveux. Et j'attends qu'il vienne dans le coin. Arrose sa race. Et ensuite, ça part sur un petit onsen des familles. Comment on l'appelle? On l'appelle Zulu Cheng. Il arrive. Il y avance donc. Non, j'ai pas raté ici. Non, 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 mais non, mais non. J'y croyais ça, franchement. Du coup, si tout à l'heure je l'ai pas eu, je vais clairement pas l'avoir maintenant. Ah oui. Pourquoi il s'excite pile aussi? Il y a un délire. Et...
chaud. Hein. C'est qu'à le dire. Oh, ce serait trop bien. Ah ouais. Ne tourne pas. Ah ouais, mais si, trop bien. Du coup, là, je te chope. Comme jamais. Allez. Parfait. Genre, c'est un chompe doré. Trop bien, bravissimo. Du premier coup, franchement. Facile ce jeu, putain. La facilité déconcertante du truc. Ça me dépite, les jeux en 2020. Je veux dire. Ça va être les pièces rouges là, j'imagine. Le secret du monde du dessous. On n'a pas déjà tout eu ? Oh non, ça va me stresser. Je pense que je vais faire ça un autre jour. Qu'est-ce que quoi ? On va s'arrêter là. Nous allons nous arrêter là. Sauvegarder. Absolutely. Du coup... Les patounes, je vous souhaite une bonne soirée à ceux qui êtes encore sur le live. Un petit Tokyo pour la route. Et merci d'avoir suivi. De m'avoir suivi rager sur un jeu pour les enfants qui est Mario. Non, je déconne. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. On se rejoint demain après-midi pour un nouveau live. Les bisous.